بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Concernant cette thèse orientaliste qui soutient que l'islam s'est propagé par l'épée et par la violence, nous avons commencé hier par une lecture des propos des partisans de cette thèse. Et là, quand l'islam n'est pas synonyme de barbarie, il est synonyme de fourberie, puisque sa logique, comme le soutient Guillaume Faye, est celle très machiavélienne de l'utilisation conjointe de la force et de la ruse. La ruse quand les musulmans sont les plus faibles et minoritaires, la force quand leur domination commence à être assurée. Nous pourrions d'entrée de jeu passer à l'antithèse, citer des orientalistes comme Karen Armstrong, ancienne nonne, célèbre experte en histoire d'Orient, et dont les écrits font actuellement autorité. Elle écrit dans son livre « La guerre sainte », édité en 1988, et qui traite de l'histoire des trois grandes religions, le mot « islam » vient de la même racine arabe que le mot « paix », et le Coran réprouve la guerre comme un événement anormal contraire à la volonté de Dieu. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint et il s'efforce de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Le Coran, Surat al-Ma'ida, verset 64. Elle dit ensuite: l'islam ne justifie pas la guerre ou l'extermination agressive, comme la Torah dans les cinq premiers livres de la Bible. Religion plus réaliste que le christianisme, l'islam déclare que la guerre est inévitable et parfois une obligation positive pour mettre fin aux oppressions et à la souffrance. Le Coran enseigne que la guerre doit être limitée et conduite de la façon la plus humaine possible. Tels sont les propos de Karen Armstrong. Si nous nous contentions de citer les orientalistes qui affirment que l'islam ne s'est pas propagé par l'épée et dont les études jouissent de beaucoup plus de crédit que celles qui prétendent le contraire, nous ne pourrions qu'aboutir à la conclusion de l'orientaliste et historien britannique de Lacey Evans O'Leary, qui dit dans son livre « Au carrefour de l'islam », l'histoire est claire sur ce point. La légende des musulmans fanatiques s'abattant sur le monde imposant l'islam, à la pointe de l'épée, au peuple vaincu, est un des plus fanatiques et absurdes mythes que les historiens ont pu répéter. Dans ce cas, s'il ne s'agit que d'un mythe, comme le déclare O'Leary, pourquoi pareille invention? Et quand je dis invention, je fais preuve de largesse, car si je devais me référer à ce que dit Guillaume de Tyr dans son Histoire des croisades, les historiens marchent entre deux précipices, et ils ont grand-peine à éviter l'un ou l'autre. S'ils veulent fuir Charybde, ils tombent dans Scylla. Charybde et Scylla sont deux monstres marins de la mythologie grecque situés dans le détroit de Messine, qui sépare la péninsule italienne de l'île de Sicile. Il dit ensuite: où ils cherchent en effet la vérité sur tous les événements, et alors ils soulèvent contre eux la haine de beaucoup de gens, ou, pour échapper à toute colère, ils dissimulent une partie de ce qui s'est passé, et c'est là bien certainement un grave délit, car on sait que rien n'est plus contraire à leur office que de passer artificieusement sous silence et de cacher à dessein ce qui est vrai. Or, manquer à son office, c'est à coup sûr une faute, puisque l'office de chacun, c'est la conduite qui lui convient selon sa situation. Et dans l'histoire des croisades, Guillaume de Tyr a manqué à son office, puisque lui, l'archevêque de Tyr de 1175 à 1184, le ministre de Dieu censé n'avoir Dieu que pour la vérité, a sérieusement confondu cette dernière avec les besoins de la cause. Et pour qu'un homme dans sa situation fasse appel au mensonge pour faire passer les musulmans pour des barbares, c'est que l'enjeu de cette thèse doit être de taille. Et c'est de cet enjeu que nous allons commencer à parler avant de passer à l'antithèse. Je vous retrouve demain. D'ici là, je vous dis astaoudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.